La vie de ma mère, je devais être à Kinshasa dans un festival qui s'appelle African Zuri. Je vous jure, c'est vrai. Hier matin, je prends l'avion. Je prends l'avion Air France pour le Congo. T'es déjà allé au Congo? Ça descend, pas encore. Moi, je suis allé, toi, tu n'es pas allé. Moi, je suis allé. Tu pars au Congo, Brazzaville. Brazzaville, il fait une escale. Après, il prend des passagers. C'est pas un avion, c'est un bus. Il va à Kinshasa. Kinshasa, pour jouer à Kinshasa, Festival Africain Zuri. Moi, je sors, je suis confiant. Je commence à être un peu connu. Je tourne dans des films, j'ai des abonnés. Je gagne bien ma vie, j'arrive là-bas. Position de force. Tu vois ce que je veux te dire? J'arrive à l'aéroport. Déjà, l'aéroport, c'est. La vie de ma mère, c'est Nalgeco. J'arrive. Voilà, c'est pas un aéroport. L'aéroport, je l'ai vu. Je dis, c'est là. Ils m'ont dit oui. Je rentre. Il y a le mec, le douanier de la PAF. Il me dit bonjour. Je dis bonjour. Passeport. Je donne passeport. Passeport français. Pas mal. Parce que quand je sors passeport français, tu, normalement, t'es respecté. Prends le passeport. Il regarde. Il dit bonjour. Tac, tac, tac. Il me dit visa. Il me dit visa. Je dis frérot, je viens de France. Besoin de visa, je viens faire une représentation, vous m'avez invité pour vous faire rire, tu vois, je dans ma tête, je suis quelqu'un qui me dit visa deux fois, quand il me dit deux fois, je vois qu'il te menique avec moi, quand il me dit visa, il insiste, il me dit visa, moi je réponds Mastercard. Je suis un professionnel, ça l'a piqué, il appelle son responsable, ils sont deux, trois. Il faut un visa pour entrer dans le pays. Vous n'avez pas de visa? Je dis non, mais je suis là pour African Zuri, festival, tout ça. Elle me dit, on va vous expulser. J'attendais, est-ce que j'ai le droit de passer un coup de fil à un ami? Est-ce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le président? Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, vous ne pouvez pas passer de coup de fil. Tu ne peux appeler personne. Si moi j'arrive là-bas, je suis bloqué. Ils veulent m'expulser. J'ai dit, attendez, est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un? Et mon gars me dit, moi, non. J'ai dit, pourquoi? Je n'ai plus de crédit. J'ai dit, comment on fait? Je te jure. Il me dit, vous pouvez m'envoyer un mail. Je peux t'envoyer un mail. Moi, j'actionne mon téléphone. Comme c'est l'Afrique, c'est données cellulaires. Tu reçois un message d'Orange. Ils me disent, le MO, c'est 90 euros. Ça veut dire, tu envoies un mail, l'héritage de ta vie, il a sauté. Ma fille, elle devait aller à Harvard, elle va se retrouver à faire la pute dans les quartiers nord. J'envoie un mail. Là, j'ai tout, hein. J'ai tout. Ça, c'est le truc, ils m'ont fait le procès verbal de, parce qu'ils m'ont expulsé. Sinon, je serais là-bas, là, je suis avec vous. Normalement, je suis là-bas. Il y a des gens au Congo, ils m'attendent. Le policier qui m'a fait le procès verbal, genre le chef de là-bas, il m'a mis procès verbal de refoulement. C'est écrit, ils m'ont refoulé. L'an 2022, le premier jour du mois de juillet. Ils écrivent à l'ancienne. Nous, lui, c'est lui, il a mis nous. Il y a son nom, la vie de ma mère, je vais. Viens, tu peux l'épeler. Tu viens l'épeler, viens toi, viens ici, madame. Viens. Ah, viens, madame, tu as mis un pantalon, on dirait que tu fais de la capoeira, ta grand-mère. Viens. Attends, bouge pas, calme-toi. S'il vous plaît. Non, t'inquiète pas. Je vais même pas. Non, écoutez, non, concentrez-vous. Avec ma mère, concentrez-vous. Et je sais, fait chaud, hammam. Calmez-vous. Je vais même pas te dire de dire son nom. Je vais te dire juste de dire les lettres de son nom. D'accord? Et le nom. Ah ouais, non. Oui, mais oui. Hey, les lettres. Juste. M-V-I-B-I-D-U-L-U. Z-A-V. C'est une plaque d'immatriculation. Ben non, c'est un code Wi-Fi. Le nom, il y a 45 lettres. Il pouvait pas être footballeur pro parce qu'il aurait fallu deux maillots.
M-V-I-B-I-D-U-L-U-Z-A-V-A-M-O-S-I. M-B-D-B-L-U-B-D-U-Z-B-U-V-A-M-O-S-I. Son nom, il est tellement long que dans la rue de son village, la boîte postale, c'est toute la rue. C'est le mec qui m'a refusé. C'est le mec qui m'a expulsé. C'est pas fini. Son prénom, il s'appelle Bienvenue. Il s'appelle Bienvenue. Mais il doit s'appeler Au revoir. Ou Nique ta mère, mais pas Bienvenue. Oh, vous vous rendez compte, ils m'ont expulsé d'Afrique. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, vous n'avez pas le visa, on a peur que vous êtes un migrant illégal. J'ai dit, frérot, normalement, quand tu migres vers un pays, c'est pour upgrader ta vie. Tu ne vas pas dans un pays où il n'y a pas l'eau courante. La vie de ma mère, il y a des coupures d'eau. L'eau, quand tu ouvres le robinet, elle est jaune. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si tu te douches, tu deviens un Simpson. Du coup, je me suis fait expulser d'Afrique. Je suis rentré là, c'est pour ça que je suis là. Je vous jure que c'est vrai. Hier, j'étais là-bas, ils m'ont expulsé. Tous mes cousins au bled, parce que moi, je suis algérien, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Redon, c'est vrai, tu te fais expulser d'Afrique? J'ai fait oui. Ils m'ont dit, donne-nous la technique.